Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous fais un deuxième volet là sur après les est-ce qu'on peut gagner avec la méthode des drone bets sur les grosses équipes. Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des mails en me demandant si une méthode fonctionnait en jouant les victoires sèches sur les grosses équipes. Voilà, parce qu'apparemment on pourrait gagner de l'argent en faisant cette méthode là. Donc allez, c'est parti. Bah écoutez, je vais faire la même procédure que la dernière fois où je vous ai montré que jouer sur les drone bets sur les grosses équipes, bah ça ne servait à rien, voilà, parce que sur de long terme, sur plusieurs années, de toute façon, vous perdrez de l'argent. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne là sur le championnat allemand. Alors, j'ai pris le championnat allemand parce que le Bayern de Munich, ça fait quelques années maintenant qu'ils dominent leur championnat. Donc voilà, on va avoir une bonne idée des cotes que peut avoir le Bayern de Munich chez ses concurrents directs, tout simplement. Et je le rappelle, de toute façon, c'est simple. La méthode, là, pourrait marcher si le Bayern gagne à l'extérieur chez tous les autres gros, entre guillemets, parce que c'est là que la cote de la victoire sèche du Bayern sera plus importante. Parce que bien sûr, un Bayern de Munich qui va rencontrer une équipe du bas de tableau à domicile, la cote va pas dépasser le 1,15-1,20. Voilà, donc ça c'est dit. Donc déjà, vous pouvez essayer d'imaginer ce que cela peut donner. Donc sur l'année 2017-2018, c'est-à-dire l'année N-1 par rapport à cette année, bon bah déjà, on part du principe qu'on va jouer une unité comme la dernière fois sur chaque pari, donc victoire sèche du Bayern. Mais la différence du drone bet, c'est que là, vous perdez 4 unités, mais vous perdez aussi 3 unités quand il y a match nul, parce qu'elles ne sont pas remboursées. Donc là, déjà, il faut récupérer 7 unités là, sur le backtest qu'on va faire sur l'année sur le Bayern de Munich. Alors, je me suis amusé, voilà, une petite feuille, voilà, je me suis amusé à regarder un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc là, je clique sur le Bayern. Cette année-là, le Bayern de Munich, alors je vous montre un petit peu voilà, tous les résultats, mais je vais vous résumer, je vais essayer de faire plus court, avait gagné à Schalke, à Dortmund, à Leverkusen, donc c'est-à-dire quand même des gros. Et voilà, je me suis amusé pour les 34 matchs à regarder la cote moyenne de ce que ça peut donner. Donc on aurait perdu 7 unités et on aurait gagné 9,5 unités, donc c'est-à-dire vous avez un gain sur cette année-là de 2,5 unités. Sur 34 matchs, effectivement, l'année est en positif. Mais comme je vous dis, voilà, c'est dû aussi parce que pendant 3 matchs, enfin sur 3 matchs, pardon, le Bayern de Munich, pardon, a été gagné chez trois gros, Schalke, Dortmund et Leverkusen. Donc ça, forcément, et c'est grâce surtout à ça que l'année est en positive. Donc là, rien à dire sur cette année-là. On peut que acquiescer et dire que bah, voilà, la méthode sur cette année marche. L'année 2016-2017. Donc déjà là, attention, on prend 2 unités de plus que l'année d'avant, parce que là on en perd 9 et plus 7. D'accord? Donc 2 unités, comme vous savez que l'année juste d'avant, donc 2017-2018, on a gagné 2,5 unités. Ben regardez, là déjà, on aurait, si je rajoute 2 unités de plus de perte, ça fait 7 plus 2, 9, on aurait quasiment rien gagné l'année dernière. Donc cette année-là, en plus, ce qui s'est passé, c'est que le Bayern de Munich n'a pas été gagné chez les mêmes gros, à part ici Schalke, d'accord? Mais ils ont été perdus à Dortmund, voilà, important. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ils ont été faire match nul au Bayern, donc c'est perdu, voilà. Donc les deux des grosses équipes, les Leverkusen et Dortmund, où ils avaient gagné l'année d'avant, bah, cette année ils ne gagnent pas, donc c'est des unités en moins. Donc sur cette année-là, vous êtes en perte, voilà, en légère perte, mais en perte quand même. En gros, ça vous mange le bénéfice de l'année d'avant. Donc vous voyez, vous faites cette méthode-là déjà sur 2 ans. Bah voilà, sur 68 matchs de jouets, sur 2 saisons, vous ne gagnez pas d'argent en jouant les victoires sèches du Bayern de Munich. Alors vous allez dire, vous en perdez pas non plus, voilà. Mais voilà, ça fait 2 ans que vous jouez là, à jouer tous les victoires sèches du Bayern. Alors ça fait pas beaucoup de secondes à placer juste de la victoire du Bayern tous les week-ends. Mais bon, ça fait 2 ans que vous faites ça et vous gagnez pas d'argent. Donc il y a des choses quand même plus et des méthodes plus rémunératrices que cette méthode-là. Après, j'avais regardé l'année 2015-2016. Ben, en fait, vu le nombre de matchs qu'ils avaient perdu, vous perdiez 6 unités. Donc là, je pense que vous étiez en léger bénef. Et l'année 2014-2015, là, pareil, vous reperdiez 9 unités sur les défaites et les matchs nuls. Donc cette année-là, je pense que vous gagnez pas non plus d'argent. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de rentable, on va dire, au moins sur la Bundesliga.
Si on part sur la Juve, voilà. Alors là, j'ai essayé de vous montrer en 2011-2012 où la Juve n'avait pas perdu de match, mais ils avaient fait 15 nuls. Donc 15 nuls sur une méthode comme ça fait 15 unités déjà en moins, avec 23 victoires en face. Vu que la Juve n'a pas gagné que chez les gros, et rencontre aussi des petits à la maison et des cotes à 1,10, 1,15 en moyenne, vous êtes largement en déficit. Mais si on prend l'année 2017-2018, l'année dernière, voilà. Donc là, on perd 8 unités. Et on gagne 30 matchs. Alors, j'avais regardé un petit peu ce que ça pouvait donner. Et l'année 2017-2018, bah, vous gagnez de l'argent. Pourquoi? Parce que la Juve, en fait, va gagner à l'Inter avec une cote à 2,55, va gagner au Milan avec une cote de 2, et va gagner à Naples avec une cote de 3,75. Donc cette année-là, vous gagnez de l'argent, quelques unités. Alors là, sur mes calculs, j'ai mis quoi? Ouais, j'ai mis, vous gagnez à peu près 2,5-3 unités. Sur cette année-là, donc voilà, un peu comme la Bundesliga, bah, c'est très bien, vous gagnez de l'argent. Mais l'année d'avant, voilà, donc là on passe déjà à 9, c'est un peu marrant parce que ça ressemble un peu au Bayern, où ils perdent 7 et après 9. Donc là vous perdez 9 unités, et à la différence que eh ben, c'est plus la même cette année-là, vous allez perdre de l'argent parce que la Juve. Par exemple, elle perd à la Lazio, elle perd à. Non, elle gagne à la Lazio, mais la Lazio, j'avais pas compté la dernière fois, voilà, donc ça joue pas. Elle perd à l'Inter, alors qu'elle avait gagné à l'Inter pour une cote de 2,55 l'année d'avant. Elle perd au Milan, et elle avait gagné pour une cote de 2 juste l'année d'avant. Et si je remonte. Et à Naples, elle fait match nul, donc en gros, voilà, vous gagnez pas non plus. Ou elle avait gagné une cote à 3,75 l'année d'avant. Donc déjà, là, ça vous fait énormément d'unités en moins, si on compare les 2 années. Donc cette année-là, en gros, vous perdez tout ce que vous aurez gagné l'année suivante. Donc vous voyez, je vous ai montré la Bundesliga, je vous ai montré la Serie A, et je vais essayer de faire plus court la vidéo, donc c'est pour ça que j'essaie d'accélérer un peu, et je ne vais pas vous montrer tous les championnats. C'est impossible de gagner de l'argent sur ces 2 championnats. On va me dire, ouais, mais Benoît, la Ligue 1, allez, je vous fais la Ligue 1 pour terminer. Et bien c'est encore pire, parce que le PSG, ils sont encore plus dominateurs en France, surtout les équipes d'ailleurs sont plus faibles. Donc l'année dernière, voilà, 9 unités en moins. Ok, 9 unités en moins, mais quand vous savez que, voilà, je vais froisser aucun supporter, j'espère, que Lyon est à peu près la deuxième équipe du championnat, entre guillemets, avec Monaco par exemple, donc l'année dernière, le PSG n'a pas été gagné à Lyon, d'accord? Mais même s'ils avaient été gagnés à Lyon, pardon, la cote moyenne était d'un 1,58. Oui, c'est ridicule par rapport au deuxième, troisième favori. Et si je vous montre Monaco où PSG a été gagné, et ben, la cote moyenne était 1,40. Rien à voir quand la Juve a gagné au Milan, à Naples, avec des cotes supérieures à 2. Vous voyez qu'en France, il y a le PSG et les autres, bon, ça, on savait très bien. Donc sur cette année-là, bah, vous perdez de l'argent. Voilà, vous perdez quelques unités sur l'année du PSG, et c'est pareil hein, les années d'avant. Donc surtout, un conseil, vous embêtez pas à perdre du temps à jouer sur les gros favoris en victoire sèche. Alors de temps en temps, oui, vous pouvez, même si vous savez ce que je pense des victoires sèches, mais vous pouvez, parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Parfois, des values qui vous sautent aux yeux, parce qu'une équipe est décimée à des joueurs importants qui ne seront pas là. Voilà, il n'y a pas de souci, comme cette année, Marseille, et j'ai rien contre Marseille, vous enlevez Thauvin déjà dans l'équipe, bon, bah, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, il y a des joueurs comme ça importants qu'il faut savoir détecter quand ils sont absents ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce second volet. Je vous invite aussi, on a redémarré la radio Paris Gagnant. Donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour aussi avoir toutes les semaines, voilà, on se filme en fait dans une radio locale, et vous avez, voilà, on parle de différents sujets, je vous donne aussi quelques pronostics. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Paris Gagnant pour avoir aussi toutes les semaines cette vidéo gratuite hein, d'une demi-heure de radio que je fais avec deux collègues, et tout en étant sérieux dans les analyses qu'on fait, voilà, c'est un petit moment détente sympathique dans le sport pour vous faire connaître bah, d'autres sports peut-être. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine, au moins plus d'émissions de radio, donc ce qui fait deux. Là, j'avais un peu de retard sur celle-là. Je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, diffusez-la parce que voilà, faut que plus de personnes soient au courant qu'il ne faut pas jouer cette méthode-là. Ça n'apportera rien de bon sur du long terme. Allez, je vous dis à très bientôt à tous et pour une prochaine vidéo. Au revoir.